Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Sport en France pour votre nouveau rendez-vous hebdomadaire entièrement dédié au MMA. Dans ce programme, eh bien, vous retrouverez des portraits, des reportages, des débats sur l'actualité chaude de ce sport avec des invités triés sur le volet. Et justement, aujourd'hui, pour parler avec nous, eh bien, Alexandra Tekena, c'est la nouvelle sensation du MMA féminin. Bonsoir Alexandra. Bonsoir Lucie, bonsoir Seb. Bonsoir. Il présente 99% des événements francophones. C'est Sébastien Love. Aujourd'hui, il enfile sa cape de chroniqueur. Bonsoir Lucie, bonsoir Alexandra. Bonsoir. Donc aujourd'hui, Alexandra Tekena, le MMA féminin et l'UFC Paris, ce sont les gros dossiers de cette émission. Encore confidentiel, il y a 2 ans, le MMA est en pleine évolution et on peut dire que là, ça devient un sport mainstream, Sébastien. Ça devient effectivement un sport mainstream, énormément d'intérêt, on en parle un peu partout. Pourquoi ? Parce que c'était illégal. C'est devenu légal depuis janvier 2020. Alors en quelques chiffres, le MMA en France, c'est 1937 licenciés FMMAF, donc la fédération de MMA. Sur ces 1937 licenciés, il y a 194 licences professionnelles. Alors, on parle de licenciés 1937, ça c'est, il y a beaucoup plus de pratiquants, bien évidemment. On recense à peu près 3000 pratiquants en France, en comptant donc ces licenciés. 180 clubs sont affiliés à la fédération. Et pour encadrer tous ces licenciés, il n'y a pas moins de 696 coachs qui ont donc validé leur diplôme. Et les régions les plus représentées dans le MMA, ce sont la région Île-de-France et la région PACA. Alors bien évidemment, les autres régions françaises ne sont pas en reste, également les Dom-Tom, mais c'est un essor incroyable pour un nouveau sport. Et médiatiquement, on peut dire que donc, le MMA est en pleine expansion, il gagne de plus en plus de terrain. Plusieurs chaînes de télévision retransmettent des événements maintenant et les diffusions font de très très bons scores. Selon un rapport parlementaire, il y aurait à peu près 250 000 téléspectateurs réguliers. Et il y a de plus en plus de médias également sur le net, où à chaque événement, à chaque combat, là, sont passés à la loupe. Alors sur le net, attention, il y a à boire et à manger. Hein. Il y a des trucs des fois. Non, ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup. Faut être honnête. Mais je trouve que l'engouement le plus visible, en tout cas, c'est tout simplement les galas. Les galas sont pris d'assaut. Et notamment, là, on voit que les billetteries explosent et, force est de constater, l'UFC qui arrive à Paris. Alors apparemment, en moins de 4 heures, toutes les places auraient été vendues. J'ai même entendu dire que c'était en moins d'une heure. Et il y a eu 100 000 demandes pour remplir l'aréna. Sur liste d'attente. Voilà, sur liste d'attente, l'aréna qui doit être à peut-être 14 000 ou 15 000 places. Donc tout est vendu. Il y a également la seconde édition du Bellator qui avait vendu 12 000 billets. Mmh. Hein, c'est ça. Donc voilà, on est vraiment sur un engouement, je me répète, mais c'est ça. Et bien évidemment, les événements français remplissent eux aussi les salles de façon très spectaculaire. Alors justement, toi tu es un passionné inconditionnel pour le Muay Thai, donc cette boxe pied-point avec coup de coude, coup de genou, coup de coude. C'était un sport qui avait le vent en poupe il y a encore quelques années et le mot est fort, mais j'ai l'impression que le MMA a complètement éclipsé les autres sports de combat. Alors, c'est une réalité, moi qui speak tous les week-ends des événements de MMA, des événements pied-point, donc kick, thai, full, boxe française, je constate effectivement que les galas de MMA remplissent. Les salles sont combles, la billetterie explose, on l'a dit. Et les galas pied-point, c'est vrai qu'ils ont un peu de mal à remplir. C'est essentiellement un public de passionnés. Le MMA attire maintenant des gens qui n'ont jamais fait sport combat parce que c'est un peu, voilà, c'est dans l'air du temps. Alors que les sports pied-point restent quand même pour une petite niche de passionnés. Et c'est pour ça peut-être que ça remplit un petit peu moins. Et ça, c'est dommage. C'est vrai qu'on est sur une tendance. Tous les jeunes, aujourd'hui, ont ce mot à la bouche. Octogone par-ci, octogone par-là. On est vraiment sur une tendance. Exactement. Alexandra, toi, tu viens du Sanda, donc la boxe chinoise. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un mélange de boxe pied-point avec des projections. À quel moment tu t'es dit, tiens, j'ai envie de faire du MMA? Qu'est-ce qui a provoqué ce déclic chez toi? En fait, au niveau du MMA, ce qui est drôle, c'est que j'avais déjà été... j'avais déjà été spectatrice de combats de MMA en vidéo il y a très 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 longtemps par le biais de mon beau-père qui avait trouvé des DVD un peu dans un fond de vidéoclub. Et j'avais vu ça, mais j'étais toute petite et je n'avais pas encore compris ce que c'était. Au moment où il y a eu le combat de Ronda Rousey contre Lee Scaramouche, donc le premier combat féminin de MMA au sein de l'UFC, je ne connaissais pas trop, mais vu que c'était quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui avait été médiatisé. J'avais découvert ça, c'était sur des plateformes de blog. Et en fait, là, je regarde ça, mais par hasard, à moitié, et je me suis arrêtée dans ce que je faisais. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est ça
qui m'a attirée vers le MMA. Et quand j'ai vu ça, ouais, en fait, je me suis dit, mais si ces filles-là, elles font ça, pourquoi pas moi? Moi aussi, je fais des sports de combat. Je me dis, c'est une possibilité. C'est une possibilité. Je ne me voyais pas faire quelque chose dans le cadre professionnel avec les sports de combat. Mais en voyant, on va dire, ce sport et à cette échelle-là, je me suis dit, bah, y a un truc, quoi. Il y a quelque chose à faire. Exactement. Et bien justement, la légalisation, elle a rebattu les cartes. Aujourd'hui, le combattant français a la cote, il est courtisé et donc il est en position de force pour négocier. Et c'est encore plus vrai pour les femmes qui sont même plus rares sur la scène du MMA français. Donc le MMA féminin, il a le vent en poupe. Et justement, on est parti dans ton club pour voir un petit peu cette tendance. Il y a la première équipe féminine en France. C'est un reportage de Lucien Jarin. Cela ne fait que 2 ans que les compétitions d'arts martiaux mixtes sont autorisées en France. Et la vague féminine déferle sur la discipline. Aujourd'hui, le MMA compte 3000 licenciés dans la fédération, dont 10% de femmes. Autant valorisées que les hommes, ces dernières ont été séduites par un sport de combat qui leur fait la part belle. La tendance est si forte qu'une première écurie professionnelle 100% féminine a vu le jour dans la salle parisienne du NR Fight. Cette section peut compter sur des combattantes de classe internationale, comme Marie Loiseau ou encore Alexandra Tekena. C'est un peu parti d'un constat ou d'un quiproquo, on va dire, qu'il y avait un cours de sparring pro, mixte, avec du coup les femmes et les hommes. Et à l'époque, on n'était que toutes les deux avec Eva Dourte. Et on s'est retrouvés, à toujours se retrouver un petit peu sur, pas le banc de touche, mais disons dans le fond du tatami, avec les mecs qui nous rentraient dedans. Et au bout d'un moment, avec Johnny Fraché, on a décidé de faire un créneau spécifique depuis une petite année là maintenant. Ça répondait aussi à un besoin aussi un petit peu spécifique de s'entraîner entre filles, avoir les mêmes gabarits, pouvoir jauger l'intensité, etc. Donc ça a été que bénéfique et je pense que c'est cette spirale positive qui a attiré de plus en plus de filles. Le chef d'orchestre de ce groupe prometteur n'est autre que Johnny Fraché, ancien combattant professionnel MMA et actuellement coach de référence au NR Fight. Moi je combats plus, donc maintenant quand j'entraîne quelqu'un, c'est comme si je combattais à travers eux, donc c'est plutôt top. Je pense qu'il a une capacité d'écoute qui pourrait aussi s'appliquer à d'autres profils de combattants ou de combattantes. Il ne faut pas trop être trop doux, mais il ne faut pas être trop dur à certains moments, et ça, il faut tout le temps s'adapter. Honnêtement, je pense que même moi, j'aurais du mal à... Je coach en fait des femmes aussi à côté, et c'est pas évident. C'est beaucoup plus dans... Il faut beaucoup plus être dans l'échange, dans le partage et dans l'écoute. Émotionnellement, c'est assez fatigant, c'est très énergivore. Par contre, dans la victoire ou dans la défaite, c'est vraiment une belle aventure. Elles s'entraident les unes aux autres, elles viennent aux séances, elles n'oublient pas la salle et tout. Peu importe quand elles sont loin ou proches, et je pense que ça, c'est la plus belle récompense qu'on peut avoir pour un coach. Voilà. Un groupe soudé et travailleur, les égos sont mis de côté et la bonne ambiance règne. Il y a Laetitia Blo, que j'avais combattue en combat pro, qui est dans l'équipe maintenant. Et du coup, bah, je trouve que ça révèle un petit peu l'état d'esprit, c'est que justement, il n'y a pas trop d'opposition, il n'y a pas trop de rivalité, on va dire. On pourrait imaginer qu'un groupe de femmes ensemble, bah, ça peut virer pain bêche. Et pour le coup, on a vraiment cette opportunité d'évoluer parallèlement et en se mêlant, et tout ça dans la joie et la bonne humeur. L'ambiance, elle est assez incroyable. Cette démocratisation du MMA féminin, on la doit aux pionnières, comme Miesha Tate ou encore Ronda Rousey. Un des déclics, effectivement, ça a été Ronda Rousey, puisque avant on avait d'autres combattantes comme Gina Carano, etc., qui combattaient. Mais Ronda Rousey, avec l'UFC et sa personnalité, parfois elle arrivait avec plus d'audience dans ses combats que certains des hommes. Donc du coup, ça a créé un engouement et l'UFC a développé de plus en plus de catégories féminines. L'UFC, c'est la ligue des champions du MMA. Manon Fiorot, multiple championne du monde de la discipline, a pour objectif de décrocher le titre de cette prestigieuse organisation. La niçoise de 32 ans est la porte-drapeau officielle de la discipline en France. Une véritable source d'inspiration pour ses pairs. Manon Fiorot est un ovni parce qu'on sent vraiment qu'il y a un écart de niveau entre ses adversaires et elle lorsqu'elle combat. Elle a un état d'esprit qui est voilà, humble, elle travaille, c'est une travailleuse, donc je pense qu'elle véhicule des super bonnes valeurs et un super bon exemple pour les filles qui auront envie de commencer le MMA. Je pense qu'elle a le potentiel pour prendre le titre de par sa gestion de la distance, de par son envie de gagner et maintenant elle monte en expérience, donc elle sait où elle met les pieds. Je pense même qu'elle est crainte par beaucoup de combattantes. The Beast, de son surnom, montre la voie.
Certaines combattantes du NR Fight vont aussi tenter de décrocher une ceinture. Celle d'Arès pour Alexandra et celle du Hexagone MMA pour Marie. Le Graal dans une carrière. C'est une super belle échéance, super belle opportunité, mais vraiment je l'appréhende comme n'importe quel combat, avec, voilà, avec concentration, focus, avec toute l'énergie que je peux y mettre. Des combattantes performantes, ambitieuses et surtout de plus en plus attendues dans l'univers du MMA. Les organisations internationales l'ont bien compris, à tel point qu'aujourd'hui, les femmes sont placées sur un pied d'égalité avec leur homologue masculin. On est dans un sport où on va être payé à la même hauteur que les hommes. Je dis à la même hauteur que les hommes parce qu'on peut vendre autant que les hommes. Je suis là, par exemple, main event devant des hommes. Mais parce que j'ai un petit facteur qui fait que ça plaît au public. Plus le sport va monter, plus ce roster, cet ensemble de femmes va grandir. Et c'est là aussi où on va avoir un peu plus de compétition. La hype autour du MMA ne fait que commencer. Une discipline spectaculaire et regardée dans le monde entier. Une discipline où les femmes sont prêtes à briller. Elles sont de plus en plus présentes dans les ligues majeures et elles sont performantes aussi. On a eu de belles performances là, de la part de Samantha Jean-François qui vient de s'emparer du titre strawweight du Hexagone MMA, elle qui avait été appelée en short notice, donc c'est dire la performance de cette jeune fille. Il y a également Claire Lopez qui a combattu au Combatté Global, grosse performance face à Camila Rivalora, et aujourd'hui elle est en discussion pour la ceinture du Combatté Global, cette prestigieuse organisation outre-Atlantique. Alors Alexandra, et bientôt aussi tu vas tenter de marcher sur leurs traces, tu vas tenter de remporter le titre du Arès, tu es notre invité Spotlight. Devenir combattante professionnelle, ce n'est pas franchement ce qu'on conseille à l'école lorsqu'on rencontre un conseiller d'orientation, et pourtant c'est ton métier. C'était loin d'être une évidence quand tu as commencé le sport quand tu étais jeune. Ouais, ça c'était loin d'être une évidence parce que on va dire qu'on a toujours essayé de m'empêcher de faire des sports qui sont associés à de la percussion, à de la boxe, etc. Et pourquoi ? Bah, y avait un peu cette image de sport violent. Et puis bon, forcément, tes parents ne veulent pas te voir te prendre des coups de poing, te prendre des coups de pied. Donc, mais j'ai réussi à me frayer un petit chemin vers ce sport de combat par le biais, moi, du wushu, par le biais du kung-fu. Et après, je suis arrivée vers le kickboxing, le K1 et puis maintenant le MMA. Pourquoi MMA ? Tu as une base pied-point, une base kick, une base muay thai, une base K1, j'entends. Pourquoi tu as eu envie, à part l'histoire que tu nous as dit d'avoir vu un DVD, ouais. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui séduit une femme d'entrer dans la cage en Mais fait. C'est ça, et puis c'est tellement beau le sport pied-point. Tu as un parti pris. Déjà, moi je viens du wushu, donc du kung-fu, il y a la forme sportive qui s'appelle le sanda, c'est pied-point et lutte. Et lutte, ouais. Exactement. Il n'y a que projection, il n'y a pas de travail au sol. Voilà, on le voit à l'écran, justement. Exactement, il n'y a que projection. Mais en fait, je me disais, c'est la forme la plus pure d'affrontement dans ce qu'on peut retrouver dans les temps modernes. C'est comme, t'es comme un gladiateur exactement des temps modernes. C'est réglementé, c'est sécurisé, mais tu as une liberté d'expression. C'est-à-dire que certes, c'est un sport de combat, mais c'est un art martial. Donc, il y a la partie art. Et dans la partie art, il y a liberté d'expression et on s'exprime comment ? Des coups de poing, des coups de coude, coups de genoux, clé, frappe au sol et j'en passe. Tu avais un tempérament timide, me semble-t-il, quand tu étais petite. Ça t'a aidé à te construire, à prendre confiance en toi ? Forcément, ça t'aide à te construire, ça t'aide à prendre confiance en toi. Parce que pour oser mettre un coup de poing à quelqu'un, faut déjà avoir, faut pas être timide. On ne peut pas se permettre d'être timide. Si on est timide... Surtout d'en prendre. À la limite, c'est plus ça. C'est plus simple de s'en prendre des coups de poing. Oui, c'est plus ça, mais il y a l'appréhension du coup. Généralement, un boxeur, il a plus l'appréhension d'en prendre un que d'en mettre un. Mais quand tu as du mal à communiquer avec quelqu'un, quand tu as du mal à commencer une conversation, si on te dit, non, il faut que tu mettes un coup de poing, il faut que tu t'imposes par les poings. Bonjour, je m'appelle Samantha. Boum. Non, mais c'est quand même plus fort. Samantha Alexandra, fort. Pardon. Non, pas de souci, pas de souci. Mais c'est quand même plus fort. Donc si jamais tu as cette force, ce culot de dire, non, moi, je peux lui mettre un coup de poing, tu peux adresser la parole aux différentes personnes. Et petit à petit, ça permet de sortir de ton personnage de personne timide. Et ça t'a rendu conquérante dans la vie de tous les jours ? Ouais, beaucoup plus, beaucoup plus. Je me laisse moins marcher sur les pieds. Pourquoi ? Parce que, on va dire qu'il y a certaines choses qu'on n'accepte plus. Voilà, si, par exemple, lorsque tu t'entraînes ou lorsque tu combats, tu ne peux pas accepter le jeu qui est imposé par ton adversaire.
tu peux pas accepter le fait que cette personne-là marche sur ton territoire. Il en va de même dans la vie de tous les jours, c'est juste un peu différent. En quelle année tu as arrêté le Sanda ? J'ai arrêté en 2017, il me semble. 2017. Ouais, et finalement, tu t'es mise au MMA seulement cette année. D'ailleurs, année très productive, on va en parler. Qu'est-ce qui a mis autant de temps ? Pourquoi tu as mis autant de temps à avoir ce déclic ? Alors, il faut savoir que j'avais déjà pour projet de faire du MMA en 2014. J'avais commencé le jiu-jitsu brésilien en 2013-2014, en fait. En me disant, bah, je fais un petit peu une à deux fois par semaine du jiu-jitsu brésilien. Comme ça, quand je ferai la transition vers le MMA, je ne débarquerai pas sans avoir une petite base de sol. Au moins avoir un minimum de compréhension pour après tout lier et développer les compétences. Donc tu as vraiment voulu préparer le bateau avant de mettre les voiles. Exactement, je me suis dit, le Sanda, je fais une sélection en équipe nationale, ensuite j'essaie de faire au moins une ou deux sections, et puis après je passe à la suite. Pourquoi ? Parce que le Sanda c'est un sport particulier avec des règles très... c'est un sport qui a vraiment des règles qui lui sont propres. Très codifié. C'est très codifié. Donc, en fait, tu peux pas être bon. Tu peux pas performer au niveau en Sanda et performer au niveau en MMA. Il faut se focaliser sur la discipline qui est la plus importante. Alors, tu as pris ton temps et la vie t'a donné raison puisque tu es arrivé au bon moment, au bon endroit, c'est-à-dire au moment de la légalisation, au moment où ARES se crée et se structure en France. Et finalement, ça a été l'opportunité de ta vie. Est-ce que l'art du timing, c'est important dans le process de réussite ? L'art du timing et du hasard. Du hasard ? Tu crois au hasard ? T'as préparé le terrain quand même. Oui, d'accord, mais je ne savais même pas en fait que j'allais combattre ARES ou que c'était en discussion. Donc en fait, vraiment, on m'a dit, bah, tu combats dans 5 semaines, tu prends cet adversaire-là. Bah, j'ai dit, bah, ok, parce que j'ai confiance en mon entourage. Et on va dire que tout est tombé à pic. L'année d'avant, j'ai rencontré mon coach Johnny Frachet. Ensuite, je signe à la Bulgarian Top Team en Bulgarie. Donc une équipe de management de carrière. Exactement. Il y a un bon cadre au niveau du club, au niveau du NR Fight. Boum, je signe. On m'envoie en Hollande combattre en Muay Thai. Et ensuite, on me dit, bah, tu combats au ARES. Et moi, je dis, bah, avec plaisir, c'est parti. Ton résultat, Muay Thai en Hollande ? J'ai perdu. En fait, ça devait être du K1 à la base. Parce que moi, je ne viens pas du Muay. Et puis aussi, le clinch était différent. J'ai failli me faire pénaliser. Et sur le ring, on dit, mais non, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Au dernier moment, sur le ring. C'est fréquent, Roland. J'étais... c'est fréquent. Bon. non, mais c'était une belle expérience. Moi, je m'étais bien amusée. En tout cas, le point de départ ne reflète pas le point d'arrivée parce qu'aujourd'hui, après seulement 2 combats, tu vas combattre pour la ceinture. On va quand même revenir sur ce premier combat. Seb, je ne sais pas si tu as suivi son premier combat. Donc, on lui propose une adversaire assez redoutable, sociétaire du MMA Factory. Le combat par tambour battant, des échanges de coups de coude extrêmement violents, on peut le dire. Ouais, j'ai vu, Pour un premier combat féminin, mettre des coups de coude, ce n'est pas forcément la chose à laquelle on s'attend. Elle met KO son adversaire, elle rafle la prime de la performance. 12 000 euros pour ton premier combat, c'était inespéré, Alexandra. Ouais, là, c'est le mot est faible, je pense, inespéré. Le mot est faible. C'était une expérience incroyable, j'ai été prise de fortes émotions. Je me souviens, juste pour la petite histoire, pour la prime, j'étais dans le métro et je vois, vous avez été taguée sur un post Instagram. Je regarde et là, je vois Alexandra Tekena, bonus de performance, 10 000 euros. Et là, je commence à échapper, à laisser échapper de ça un petit... les gens regardent bizarrement, ils doivent dire, elle a une mauvaise nouvelle. Excellent. J'étais en panique et en fait, ils voulaient annoncer quelqu'un d'autre avant moi. Du coup, ils ont supprimé le poste. Et du coup, reviens. Ah, finalement, c'est pas toi qui l'as eu ? Si. Ah, si. Et en fait, ils l'ont enlevé pour annoncer quelque chose d'autre avant. J'ai eu 15 minutes de battement où j'étais comme ça. Ah, tu t'es dit 12 000 ou pas 12 000 ? Ah, mais non, c'était quelque chose. C'était quelque chose, quoi. En plus, c'était une bonne... Je trouve que c'est rare qu'on voit chez les femmes des KO aussi... spectaculaire, impressionnant. Voilà, exact. Donc c'est cool d'avoir pu montrer que nous sommes capables de faire ça également. Alors toi, tu es du genre en tout cas à rentabiliser ton taux horaire, ça on l'a vu. Là, il y a un combat qui t'attend ce week-end, il est très important. Comment tu te sens à la veille de ce combat ? Très bien. J'ai une excellente prépa. En plus, ça s'est fait dans la continuité de mon combat précédent. C'est une adversaire apparemment qui est top prospect européen. Strikeuse. 3 victoires par KO sur 4 combats, la 3 victoires. Oui, mais... Oui, mais oui, bah oui. On va dire que
C'est pas ce qui me fait. Ouais, c'est pas ce qui m'angoisse le plus au niveau. Mais j'imagine, si en plus tu viens du sport pied-point, tu sais ce que c'est. Tu... Non, ouais. Si jamais elle avait resté debout, moi, ça serait un plaisir. Tu préférerais, toi, un combat stand-up ou un combat au sol? Moi, ça va être égal. on va dire qu'on verra où le combat nous mène, mais dans tous les cas, j'ai juste hâte d'être à cette. Dans le cadre de cet affrontement. Voilà, c'est vraiment la frénésie du combat, moi, qui me guide. Donc, si on reste debout, bah, encore mieux. Si on va au sol, ça permettra de montrer aussi mes capacités dans ce domaine-là. Mais dans tous les cas, comment dire, j'ai hâte de... En plus, je me dis, mais 5 rounds. C'est-à-dire que certaines personnes vont avoir peur de faire 5 rounds. Moi, je me dis, mais il y a encore plus de possibilités, encore plus de temps qui est disponible. Et donc, encore plus de frénésie, de combat, d'excitation, de spectacle. À faire durer le plaisir. Voilà, ça peut être un 5 rounds où on va s'ennuyer. Ah, j'espère qu'il n'ira pas au-delà des 5 rounds, quand même. Ah bah, si jamais on finit pas 5 rounds, on me dit, on rajoute un 6e bonus, je prends. Alors, ton rêve aujourd'hui, ce serait de rentrer à l'UFC? Ah bah, c'est vrai que quand même, l'UFC, je pense que c'est le rêve de chaque combattant. Chaque combattante, c'est la plus grosse organisation. C'est là où il y a une des orgas où il y a les plus gros challenges. C'est une belle plateforme. Je pense que l'UFC, ça fait quand même rêver plus d'un et plus d'une. Et justement, l'UFC débarque à Paris. C'est le moment le plus attendu de la saison. 20 000 personnes sont attendues. C'est l'actualité chaude de cette émission. Allez, ensemble, on va jeter un coup d'œil à cette fight card. Il y aura Cyril Gane, William Gomis en main event. Nous aurons Nassourdine Imavov, Benoît Saint-Denis, Fares Ziam en préliminaire. Ça, c'est une carte qui est plutôt excitante. Sébastien, est-ce qu'il y a des combats qui sont plus excitants à ton goût? Oui, moi j'aimerais. Enfin, je reste chauvin. J'ai envie de voir Benoît Saint-Denis, surtout. Voilà, parce que j'ai discuté beaucoup avec son coach Daniel Voirin quand on s'est vu la dernière fois. Donc c'est un combat que j'ai envie de voir. Surtout qu'il était resté sur un combat assez difficile, assez dur. Ouais. Après Cyril, bien évidemment, Cyril Gane, hein, le main event, on a envie de le voir face au tank Tuivasa. Sinon, c'est pour vraiment être franc, honnête, c'est pas une carte qui me fait rêver. Au-delà de nos quatre Français. Bon, j'ai pas une carte où je me dis j'aurais voulu voir un UFC Paris avec une carte démentielle, quoi. Alors justement, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça a été un feuilleton, cette fight card. On a eu de nombreux rebondissements avec des premières signatures, des gens qui sont finalement forfaits. On va voir un petit peu ce qui s'est passé. On a été hypé par la venue de Manon Fiorot à Paris. Finalement, elle est blessée. On a été hypé par un potentiel combat de Cédric Doumbé. Finalement, ça ne s'est pas fait pour des raisons un peu obscures. Administratif, disons. Taylor Lapillus qui s'est blessé aussi. Et je crois que tu as un coup de gueule à ce sujet. Alors moi, j'ai un coup de gueule, c'est surtout sur, par rapport à Cédric Doumbé, et surtout le trash talk. Le trash talk en France. C'est marrant. Alors pour prendre le cas Cédric Doumbé, quand il chambre, tout le monde lui tombe dessus. Tout le monde. J'ai lu des trucs, il est arrogant, il se la pète, il n'a pas le niveau de l'UFC. Pardonnez-moi le terme, mais c'est vraiment ce que j'ai lu. Qu'il se fasse péter la gueule, il va redescendre. Quand c'est un combattant américain, alors là, très show-off, très provocateur, arrogant, là, ça passe tout de suite. Là, on n'a pas cette espèce de rejet qu'a un combattant français quand il fait ce genre de choses. Il faut rappeler un petit peu historiquement, le trash talk, ça fait partie des sports de combat, mais du sport en général. Les plus grands trash talkers dans les sports de combat, Mohamed Ali, il était adulé. Enfin, bien sûr, il avait ses détracteurs, mais globalement, il était adulé. Tyson Fury, actuellement, est un gros trash talker, on l'adore. Il y a eu Conor McGregor, et dans d'autres sports. Après, ça reste des personnages clivants, quand même. C'est-à-dire que Conor McGregor, les gens qui sont de son clan, il y a les autres aussi. C'est vrai. Conor, c'est peut-être pas le bon exemple, mais dans d'autres sports, Michael Jordan, un des plus gros trash talkers de la NBA, il était adulé. Cédric Doumbé, on a un Français qui a signé à l'UFC, qui a été multiple champion du monde, qui a fait les plus grandes heures du Glory, qui va faire le spectacle pendant, avant, après les combats à l'UFC, et on est en train de lui tomber dessus parce qu'il se permet des tweets qui sont, oui, provocateurs, mais je vous rappelle qu'on est, c'est de l'entertainment. L'UFC, c'est le show, c'est un spectacle. Restons dans le spectacle. Bien évidemment, tout ce qui est vulgarité, ça n'a pas sa place dans le sport. Mais je pense que ce côté provocation, arrogance, trash talk, ça fait partie du sport et ça amène ce petit côté excitant. Moi, j'aime ça.
quand on reste, bien évidemment, voilà, de l'insulte gratuite, non. Mais ça met son petit... voilà, moi j'aime bien. Alors, de toute façon, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il ne laisse pas indifférent. Et ça, ça se répercute sur la billetterie. Donc, dans tous les cas, Cédric Doumbé, c'est le parfait client pour l'UFC. D'ailleurs, on a ressorti un moment d'anthologie, parce que c'est clair qu'on peut compter sur lui pour revitaliser un petit peu l'ambiance des conférences de presse. Regardez ce moment d'anthologie, c'était au Glory face à Murtel. Et alors... Oui, c'est insolent, oui, c'est indécent, mais franchement, qu'est-ce qu'on a... Enfin, on est mort de rire. Mais oui, c'est, voilà, il y a le côté un peu drôle. Regarde, on va revivre ce moment. Alors, moi, je n'aurais pas aimé être Murtel, personnellement. franchement. Non, là, franchement, il va trop loin. Il va trop loin. Mais c'est tellement drôle, on aimerait voir ça à l'UFC, n'est-ce pas? Mais en plus, alors, je ne sais pas là s'ils l'ont répété. Parce qu'il faut savoir qu'à l'américaine, et moi je l'ai vécu avec Patrice Carteron et Wilson, j'ai oublié son nom de famille, bref, avant un combat que Patrice faisait à la Halle Carpentier, ils avaient répété. C'est-à-dire qu'il y a eu cet échauffouré qui était préparé. Parce qu'aux États-Unis, ils sont friands de ça. Et Wilson est venu dans la loge de Patrice, a dit « Bon, on fait quoi ?» Et ils se sont mis d'accord. Alors là, dépend, on voit, je ne pense pas que Cédric soit du genre à se mettre d'accord avec cet effet un peu... Mais je pense qu'après, Cédric, l'ayant vu un petit peu, il va voir Murtel, il dit hey, « c'était du show, c'était voilà le... » C'est du business. McGregor est devenu multimillionnaire pour les mêmes raisons. Voilà. Alexandra, toi, le trash talk, ça fait partie de ta philosophie de combattante ou pas du tout? Alors, pas du tout, du tout. Mais tu vois, par contre, si on m'avait fait ce genre de choses, je pense que je me serais énervée fortement. Je pense vraiment que... Pourtant, je suis... Non, en fait, non, je m'énerve très, très vite. Je m'énerve très, très vite, mais je suis d'un naturel calme de base. Mais si on me fait quelque chose comme ça, je pense que, pareil, j'aurais besoin que mon coach me retienne. Parce que mon sang n'aurait fait qu'un tour. Surtout, on est dans une période juste avant de combattre où on a une forte dose d'agressivité. Dans notre quotidien ou autre, il suffit d'un peu. Et même si tu sais que ça, c'est plus du show, du spectacle, que de la provocation gratuite. Non, j'arriverai pas à faire la différence. Non, ouais. Je pense ouais. que mon cerveau aurait été vraiment... Et est-ce que t'aimes le voir? Est-ce que t'aimes voir un Tyson Fury un peu... J'aime le voir, mais je pense que si j'étais de l'autre côté, j'aurais du mal à l'encaisser. Alors, Cédric Doumbé, en tout cas, on peut dire qu'il fait déjà couler l'encre, puisque sur Twitter, on a vu quelques échanges et il fait beaucoup parler de lui. Il a déjà clashé de grandes stars. Maintenant, on va passer à tes coups de cœur, Seb. Tu as des coups de cœur? J'ai des coups de cœur. Alors, j'ai plutôt deux coups de cœur. Mon premier coup de cœur, c'est William Gomis, donc qui combattra... Alors, apparemment, il passe en main card. Si, oui, c'est ça, il passe en main card. Il était en prélim, il passe en main card. Donc, William Gomis, c'est un gros coup de cœur pour moi. Je l'ai spiké à 7 reprises. Je l'ai vu progresser. Et son premier combat, en plus, c'était une défaite contre Saladin Parnasse. Après, il a enchaîné sur 2 victoires. Il refait une défaite pour son 4e combat contre Morgan Charrière. Et après, grosse remise en question, du travail. Et depuis, c'est 8 victoires d'affilée. J'adore son coup d'œil, j'adore son striking, j'adore son attitude dans la cage et sur le ring quand je le voyais dans différentes organisations. Ça fait partie de mes coups de cœur. Ouais. C'est un styliste et il a un peu le même style que toi, Alexandra. Non, vous venez du même univers, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. Bah, enfin, moi, je le connais par le biais de l'équipe de France de Sanda, en fait. Donc, on se connaît un peu tous du Sanda. Il y a beaucoup de personnes, d'ailleurs, du Sanda qui font la transition vers le MMA. Je pense à Jorik Montagnac également. Mais c'est quelqu'un, on voit qu'il a gardé son style. On voit ses retours de coups de pied puissants, sa jambe gauche vraiment impactante. Et en plus, il y a une diversité au niveau de son style. Et c'est quelqu'un, pour le coup, qui a tout pour aller très loin. Il est jeune, il s'exprime bien. On a envie de le voir gagner. En plus, on a envie d'être derrière lui parce que c'est une personnalité vraiment attrayante et sympathique. Un autre coup de cœur, Seb? Fares Ziam. Le retour incroyable, ouais. C'est la surprise. Ouais. Fares, alors pareil, bon, j'ai eu la chance d'en spiquer beaucoup, hein, mais Fares Ziam, je l'ai spiqué à 4 reprises. Et sur ces 4 combats, il gagne 3 fois la décision, alors qu'un jour, je lui avais dit, j'aurais pas fait de voir gagner par KO, parce que je sais que c'est un gros striker. Et moi, c'est ce que j'attends de Fares. Et je me souviens que tout le monde était étonné lorsqu'on l'a appelé à l'UFC. Il y en a beaucoup, qu'est-ce qu'il va faire? Personne ne le connaissait. Et finalement, ça fait sa 4e apparition à l'UFC, si je ne dis pas de bêtises. Et voilà, ça fait partie de. Je l'aime bien, ce gamin, avec son sourire de premier de la classe, là, Fares. J'ai envie de le voir gagner samedi et je pense qu'il va gagner samedi, donc c'est mon deuxième coup de cœur, Fares. Ouais. Et justement, nous sommes partis à sa rencontre pour comprendre ce qui s'était passé parce qu'il est rentré à l'UFC, il est sorti de l'UFC et il revient, c'est un peu surprenant. On a voulu savoir ce qui se tramait là-dessous. C'est un sujet de Lucien Jahan. L'UFC, c'est l'objectif d'une carrière, la consécration pour un combattant. Mais dans la plus prestigieuse organisation du monde,
les places sont chères. Un jour dans la lumière, l'autre dans l'obscurité. Une soirée au paradis et celle d'après en enfer. En une fraction de seconde, tout peut s'écrouler. Une carrière à l'UFC ne tient qu'à un fil. À tout juste 25 ans, Fares Yam peut en témoigner. Le rêve, il l'a vécu. La joie, il l'a connue. Et la déception, il y a été confronté. Depuis son plus jeune âge, Fares Yam pratique les sports de combat. Full contact, judo, jiu-jitsu brésilien ou encore kickboxing, un véritable passionné. Lorsque le franco-algérien découvre le MMA, ses capacités impressionnent. Rapide, endurant, déterminé, Fares a tout pour devenir un grand de ce sport. Avec un bilan de 10 victoires pour 2 défaites sur le circuit professionnel, le nom de Fares Yam résonne de plus en plus dans l'univers du MMA. Et son talent ne passe pas inaperçu outre-Atlantique. En 2019, l'enfant prodige touche son rêve du bout des doigts. J'avais 22 ans. Je venais de combattre à l'European Beatdown. Je venais de prendre la ceinture dans les moins de 70 kilos. Et au mois d'août, je signe à l'UFC. C'était un rêve devenu réalité. Et j'étais hyper heureux, avec un peu de pression quand même. Fares est entré dans la cour des grands. La planète entière a désormais les yeux rivés sur la pépite française. Dès que j'ai vu la cage, j'étais en mode « ça y est, c'est là que ça va se passer, c'est mon avenir, c'est ici, c'est mon rêve et il faut y aller maintenant ». J'ai perdu mon premier combat à UFC, après j'ai fait 2 victoires d'affilée et normalement en 3e combat on doit négocier un nouveau contrat. Ça n'a pas été le cas, ça s'est pas fait comme ça, ils ont voulu attendre le dernier combat. Et pour ce dernier combat, Fares décide de tout changer. Il quitte la Bulgarian Top Team et prend la direction de la Floride, au Killcliff Fight Club. Nouveau coach, nouveau groupe et nouveau manager, en la personne du célèbre Ali Abdelaziz. Ce qui m'a amené à aller avec Dominance MMA de Ali Abdelaziz, c'est qu'en fait il m'a contacté un jour après un combat et je lui ai dit que j'avais un manager, il a parlé avec mon manager et puis après au final je me suis un peu rapproché de lui, je l'ai rencontré et je suis parti avec lui parce que il a une super équipe et je lui fais confiance. Il a quand même beaucoup de champions et c'est ça que j'ai aimé et je préférais être le petit gars qui va monter que l'inverse. 26 février 2022, Fares Yam est opposé à l'étoile montante de la catégorie des lightweights, l'américain Terence McKinney. J'étais favori en plus pour le combat, je m'en rendais pas compte en fait. Moi je kiffais mon moment d'être à l'UFC, d'aller combattre à l'UFC, dans ma tête j'étais prêt, tout allait bien. Une victoire lui permettrait d'enchaîner un troisième succès de rang, mais rien ne va se passer comme prévu. Lors de ce combat, j'étais pas moi-même, j'étais pas présent. Après seulement 2 minutes de combat, Fares est au sol, dominé par McKinney. L'Américain l'étrangle, c'est terminé. Impuissant, Fares ne pourra pas se défaire de son emprise. Une défaite amère, une défaite fatale, le Smile Killer ne sourit plus, son aventure avec l'UFC s'arrête. Quand t'as 24 ans, ça fait une grosse défaite pour toi de ne pas être reconduit avec l'UFC directement. Et après, je pense que ce qui a fait ce choix-là de l'UFC, c'est que certes, j'ai gagné, mais j'ai pas fait des belles performances de fou pour signer un contrat. Quoi. Alors qu'à sa place, beaucoup de personnes auraient baissé les bras, Fares n'a jamais envisagé d'abandonner et s'est même nourri de cette défaite pour revenir plus fort. Je me suis pas laissé abattre. En fait, je dois être plus méchant, plus concentré, plus agressif lors de mes combats. Parce que l'UFC a laissé un message à Ali Abdelaziz. Ils lui ont dit qu'ils souhaitaient que je reste actif pour l'avenir. Donc forcément, c'est qu'ils allaient garder un œil sur moi. Et voilà, moi, je me projetais comme ça, revenir pour tout casser. Face à lui-même, Fares Yam continue son chemin. C'est alors que va se produire un coup du destin. We are coming to Paris for the first time in UFC history. And I could not be more excited to bring the UFC to France on September 3rd at Accor Arena. I will see you in Paris. L'UFC débarque dans la capitale. Coup de tonnerre. L'organisation rappelle le français. C'était une surprise pour les gens que je re-signe avec l'UFC et je le savais depuis le mois de mai. Ali Abdelaziz m'a contacté et m'a dit que l'UFC allait me donner un nouveau contrat. Donc j'étais hyper heureux, mais c'était dur de garder le secret, mais je l'ai gardé.
Voilà, je voulais que limite les gens se disent « Ah, mais ils boxent pas à Paris, en fait. » Et après, dès que j'arrive le jour J, ils voient que je boxe à Paris, que je casse tout. Je privilégie l'action à la parole. Tapis dans l'ombre, Fares Yam est prêt à prendre sa revanche et prouver à l'UFC qu'il a les épaules, le charisme et les capacités pour être un grand de cette ligue. Opposé au Polonais Michał Figlak, le Smile Killer a hâte de rentrer à nouveau dans la cage. Ce que je ressens la veille de l'UFC Paris, je suis prêt, je vais être énervé, focus et surtout l'envie de briller devant le public français. Il y a des amis qui vont être là, il y a de la famille qui sera là, donc faut réussir. C'est-à-dire il faut réussir pour moi, pour les gens qui me suivent, mais voilà, pour le public français qui mérite aussi d'avoir des victoires et des belles performances. Donc, j'y crois parce que je vais être le numéro 1 et j'y arriverai. Le 3 septembre à Paris, Fares Yam va tenter d'écrire une nouvelle page de son histoire. Devant son public et sur ses terres, il pourrait bien passer de l'ombre à la lumière. Et verdict ce samedi à l'Accor Arena. Avant de conclure, un petit prono quand même pour le duel tant attendu entre Gann et Tuivasa. Seb. Gann, parce qu'il est beaucoup plus technique, vous aurez juste se méfier des patates de Tuivasa, parce que c'est 13 KO en 14 combats. Donc, mais je vois Cyril qui est beaucoup plus technique. Victoire de Cyril. Alex ? Moi, je dirais Gann, TKO, round 4. Carrément, on est dans la précision. Ouais. Quelle seconde ? Ouais, TKO, round 4, je verrai bien. Va quand même falloir s'en méfier, parce qu'il fait pas mal de changements de rythme, hein, Tuivasa, et quand il rentre dedans... C'est ça, est-ce que le menton de Cyril va être assez solide ? Parce qu'il envoie quand même des gros parpaings, Tuivasa. Après, comme je l'ai dit tout à l'heure, Cyril est techniquement est au-dessus. Et en termes de gestion de distance, il est assez exceptionnel, Cyril. Ouais. Eh bien, écoutez, ça aussi, on aura le verdict ce samedi. Ton actualité, Alexandra, après ce combat, qu'est-ce que tu comptes faire ? Un peu de repos quand même ou pas ? J'aimerais bien recombattre en janvier si je suis en bonne santé. Ouais, exact. Ah oui ? Ouais. Ah, tu veux ronquiller direct ? Les cartes, mais ah oui. Prendre une semaine de repos complet, reprendre l'espoir de combat ensuite, mais ouais. J'aimerais bien dans 4 mois après recombattre. Super. Et donc, du coup, tu défendrais le titre. J'espère. Si. C'est tout ce qu'on te souhaite, en tout cas. On va suivre ça de très, très près. Nous aussi, on aura des rendez-vous immanquables. Le programme, il est chargé pour cette rentrée. Regardez le calendrier UFC Paris, donc le 3 septembre. Bellator Dublin, 23 septembre, on aura Hazel Adjouj, qu'on espère avoir sur ce plateau, d'ailleurs. Cage Warrior, 7 octobre, avec Morgan Charrière. MMA GP, 8 octobre, qui reviendra également sur l'antenne de Sport en France. Hexagone MMA, 15 octobre, avec une ceinture féminine. UFC 280, ce sera le 22 octobre, avec le retour de Manon Fiorot, le Bellator Milan le 29 octobre avec une grosse escouade française. Tous ces événements, nous allons évidemment en parler sur l'antenne de Sport en France. Et ouais, on va avoir de quoi débriefer. Il y a du boulot. Merci infiniment, Alex, d'avoir fait le déplacement ce soir, donc direction la Fight Week Arès. Qu'est-ce qui t'attend là? Tu vas avoir la conférence de presse, shooting photo, la vie de star, quoi. Et vie de star, la vie de combattant. Merci Seb pour ces super analyses. Merci. On se retrouve la semaine prochaine pour toujours plus de MMA. Voilà, Sport en France, c'est décidé. On s'y met. Gardez la forme. Bye bye.